9 730 000 francs CFA, c'est la contribution de l'ambassade des États-Unis au Sénégal pour la conservation du patrimoine culturel des Serrères Non. Une manière d'offrir un bon cadre d'épanouissement aux langues minoritaires. Des efforts seront faits au niveau local pour trouver un meilleur suivi de cette politique américaine en matière de préservation du patrimoine culturel mondial à Bassaoua. La préservation de la culture des minorités linguistiques est une des volontés du Congrès américain. Au Sénégal, le Fonds pour la préservation culturelle de l'ambassade des États-Unis vient d'accorder plus de 9 millions de francs CFA au musée de Thiès. Et ce fonds est destiné à la valorisation de la culture Serrère Non. Pour nous, c'est important d'aider les autres pays à préserver leur culture. Donc la culture Serrère Non, la musique Serrère Non, ça fait partie important de la culture de la région du Thiès. Donc nous sommes très heureux de donner cette subvention pour promouvoir, pour sauvegarder la musique Serrère Non. Vous savez, la communauté Non est menacée par un environnement socio-culturel linguistique tel que nous aider à préserver la langue, à préserver nos valeurs culturelles traditionnelles à travers la collecte des sites, à travers les instruments qui marquent la présence des non-Thiès, vraiment c'est un acte à louer, à saluer. Il faut dès lors éviter sa disparition au-delà des initiatives à la base. Le concours des pouvoirs publics et locaux est souhaitable. Nous engager, donc à accompagner la communauté, mais également le musée. Le musée est dans la commune de Thiès et nous devons davantage accompagner le musée dans ses actions de développement des activités culturelles. De plus en plus, des efforts sont en train d'être faits pour non seulement préserver cette langue, mais faire en sorte que son rayonnement d'antan puisse être encore vécu. La création de ce fonds par le Congrès américain en 2011 vise à appuyer des projets de préservation du patrimoine culturel dans plus de 100 pays du monde, dont le Sénégal. Il est estimé à 20 millions de dollars.